dimanche 4 décembre la création d'une force d'attente contre les coups de force et les djihadistes fait partie des décisions prises par les chefs d'État de la CEDEAO lors du 62e sommet. Pepe Francis Haba de l'ANAD pense que cette décision est salutaire et permettra d'avoir une stabilité politique dans la sous-région. Est-ce que c'est une excellente décision de la CEDEAO? Nous, à l'UGDD, nous y avons pensé depuis déjà longtemps. Il y a un chapitre spécifique, n'est-ce pas, de notre projet de société qui prévoit, n'est-ce pas, la mutualisation des finances et des services de nos forces de défense au niveau socio-régional. Et parce que pour nous, les forces de défense coûtent extrêmement cher, n'est-ce pas, à nos différents pays en voie de développement. Et donc avoir une force sous-régionale mieux formée, mieux équipée, cela pourrait répondre notamment, n'est-ce pas, aux défis de lutte contre le terrorisme, aux défis, n'est-ce pas, de lutte contre les différents coups d'État qui... malheureusement, rend instable nos régimes démocratiques. Pour moi, ça va créer de la stabilité, ça va apporter de la sérénité par rapport aux gouvernements qui sont élus pour que ces gouvernements-là puissent s'occuper du développement socio-économique de leur pays, en tout cas des différentes préoccupations de leur population. Le président de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement n'est pas d'accord avec ceux qui estiment que la création de cette force sous-régionale par les chefs d'État de la CEDEAO consiste tout simplement de garder jalousement leur fauteuil présidentiel. Pepe Francis Haba soutient qu'aucun coup d'État constitutionnel ne sera désormais toléré. Le rôle des forces de défense et de sécurité, c'est ailleurs. C'est la défense de l'intégrité territoriale, c'est la sécurité des personnes et des biens. Et donc, tant qu'on n'y est pas venu, parce que l'Europe aujourd'hui qu'on dit développée, l'Occident est passé par là. Ils ont compris que c'est aux civils, que c'est aux politiques, n'est-ce pas, de gérer la cité pour le bonheur de toutes les populations. Ça n'a rien à voir avec la protection, n'est-ce pas, de quelconque un peu président. Puisque de toutes les façons, même les coups d'État constitutionnels seront considérés comme coups d'État. C'est une décision à saluer et même si pour nous, elle est venue un peu tardivement. Le président de la commission politique de l'ANAD demande aux différents chefs d'État de la commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cette force d'attente voie le jour pour la paix et la stabilité dans l'espace de la CEDEAO. C'est très tôt ce matin qu'un corps sans vie a été retrouvé sous le pont de Bessia Kondebougni dans la commune de Matoto. Cette mort tragique fait l'objet de beaucoup de spéculations dans les rangs de la population, car pour beaucoup, ce jeune homme d'une vingtaine d'années se serait suicidé. Le service de la protection civile donne quelques explications après les inspections. On a inspecté les lieux, on a visité l'environnement, on n'a pas trouvé les indices. Et sur le corps, il y a peut-être des traces de violence. Donc, du coup, nous avons laissé le soin au médecin légiste d'examiner le corps et nous remonter le corps. Il nous dit, selon lui, que le corps n'a pas subi de sévices corporels, mais probablement il serait mort de mort naturelle. Alors, il a informé le procureur qui nous instruit maintenant d'amener le corps de la victime à la mort. Pour ses proches, la victime souffrait du paludisme depuis quelques jours. Selon lui, cette maladie pourrait être la source de sa mort. Bon, il avait le pali, parce que la maladie qu'il avait, ils ont commencé à le traiter. Mais le pali aussi est venu avant, je ne sais pas, c'était le jeudi. Bon, moi, je suis parti le dimanche. Je l'ai trouvé là-bas, j'ai dit bon maintenant, ça embarquait de venir au moment à traiter le pali, après je retourne. C'est dans ça que vraiment ça embarquait de venir ici, à quelques kilomètres, à quelques mètres de chez nous. Il est décédé en descendant. À rappeler que ce jeune homme retrouvé sans vie s'en est allé à l'âge de 24 ans. Selon nos sources, il était à Conakry pour se faire soigner.
Très ravie de vous savoir, très nombreux à suivre cette édition. Messieurs, dames, bonsoir. À la une de l'actualité ce soir, il était l'accusé le plus attendu dans ce procès des événements douloureux du stade 28 septembre. L'ancien président de la transition de 2009 a comparu ce lundi 5 décembre devant le tribunal criminel. Malheureusement, pour des raisons de santé, l'interrogatoire de capitaine Moussa Dadis Camara a été renvoyé au 12 décembre prochain. C'est un détail à suivre. Et puis, dans la perspective d'une prise en charge des journalistes gravement malades par l'État, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée a procédé ce lundi au recensement des futurs bénéficiaires sur tout le territoire national. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Le cadre du dialogue interguinéen initié par le gouvernement de transition suscite des avis différents au sein de la classe politique guinéenne. Nombreux sont des acteurs qui déplorent la non-considération de la société civile par les organisateurs du dit dialogue. Selon le président du parti Alliance guinéenne pour le développement, pour un dialogue inclusif, il faut la participation de toutes les composantes du pays. Fode Bakary dans ce coup. Lancé le 24 novembre dernier, le cadre de dialogue interguinéen est moins salué par les acteurs sociopolitiques, car pour beaucoup, ce cadre de dialogue est loin d'être inclusif. Le président du parti AGD est l'un de ceux-là. Il faut quand même remarquer que c'est toujours difficile d'avoir un dialogue inclusif dans ce pays, et surtout avec le CNRD. Donc aujourd'hui, nous avons vu à l'ouverture de ce dialogue que la société civile a été repoussée. Donc une chose que nous n'apprécions pas du tout, puisque la société civile est quand même quelque chose à respecter dans tous les pays normaux. Donc ça y va avec les politiques. Donc il faut respecter ce que fait la société civile aujourd'hui. Et aussi dans le dialogue, je pense qu'ils ont leur mot à dire. Ahmed Sekouka Camara, dans son intervention, a précisé qu'il sera difficile pour les Guinéens d'avoir un cadre de dialogue inclusif sans la participation de tous les acteurs sociopolitiques. Il serait très difficile d'avoir un cadre de dialogue inclusif à partir du moment où certains acteurs ne sont pas associés, à partir du moment où la société civile est exclue. Donc pour que nous puissions penser à un cadre de dialogue inclusif, il faudrait vraiment que toutes ces parties prenantes-là soient présentes et qu'on puisse se mettre autour de la table pour discuter et avoir un vrai dialogue afin que nous sortions très rapidement de cette transition. Le leader du parti AGD invite les nouvelles autorités et la classe sociopolitique du pays à faire des concessions.
pour reprendre dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009. Devant le juge, Moussa Dadis a indiqué qu'il n'est pas prêt à affronter le tribunal pour le moment. Selon l'accusé, les raisons de santé seraient la cause de cette demande de report. Kabakanté nous en dit davantage. Après Claude Pivi, c'était au tour de l'ancien président de la transition de 2008 d'être entendu ce 5 décembre dans le dossier des événements de la rue du 28 septembre 2009. Malheureusement, capitaine Moussa Dadis Camara, qui a tant réclamé cette justice, n'a pas été en mesure d'affronter le tribunal criminel de Dixine ce lundi pour des raisons de santé, dit-il. Selon Maître Pépé Laman, l'un de ses avocats, cette demande de report faite par son client est loin d'être synonyme de peur. Et quand il est rentré de Ouagadougou, depuis la première audience, il était prêt à prendre la parole pour livrer sa part de vérité. Et malheureusement, ces derniers temps, il a eu des soucis de santé qui n'ont pas été consolidés jusqu'à date. Et si aujourd'hui, le tribunal, en toute souveraineté, a décidé que ce soit son tour de parole et qu'il ne se sente pas bien, c'est tout à fait son droit de dire cela au tribunal, et le tribunal n'a pas d'autre obligation que de comprendre et de tirer toutes les conséquences de droit. C'est ce que le tribunal a fait. Ce n'est pas par peur d'affronter les débats, ce n'est pas par peur de livrer sa part de vérité. Le président Moussa Dadis a été toujours pressé pour prendre la parole dans ce dossier pour livrer sa part de vérité, et à l'audience prochaine, vous verrez, il sera en très bonne forme. Il va s'exprimer, il va faire face au tribunal et il va se défendre conséquemment. Dans leur réplique, les avocats de Toumba Diakité ont souligné que l'ancien président de la transition de 2008 n'a brandi aucune preuve médicale attestant qu'il est malade. Il ne faut pas qu'il ait peur d'affronter la justice de son pays, c'est lui qui l'a réclamé, hein, à corps et à cri, alors que et la justice est ouverte maintenant, les débats sont ouverts dans cette affaire. Pourquoi a-t-il peur de venir affronter la justice? Pourquoi a-t-il peur? Donc, selon nous ne comprenons pas. Selon moi, il n'y a aucune preuve. Aucune preuve n'a été exhibée à l'audience. Lorsqu'on est devant la justice, lorsqu'on fait état d'une situation, elle doit être prouvée. Rien ne prouve que M. Dadis est malade. Moi, j'ai vu un M. Camara bien portant, bien requinqué, qui n'a pas voulu prendre la parole. C'est tout. Persuadé par les prétextes avancés par capitaine Moussa Dadis Camara, le président du tribunal, Ibrahima Sorudé Tunkara, a finalement décidé de renvoyer l'audience au 12 décembre prochain. C'était un offre de soulagement pour les journalistes en état de convalescence avancés en République de Guinée. Du 5 au 10 décembre 2022, un recensement pour une prise en charge sanitaire et d'actualité pour les grands malades du monde de la presse grâce à l'implication du syndicat de la presse professionnelle de Guinée afin de redonner le sourire à ces journaliers de l'information. Maïssi Cissé, Mohamed Lamine Fox. La prise en charge médicale des hommes du média est un problème majeur auquel bon nombre de journalistes sont confrontés de nos jours. Depuis maintenant quelques jours, le syndicat de la presse professionnelle de Guinée a lancé une chaîne de recrutement des journalistes malades avec des dossiers médicaux avancés. À travers cette initiative, une prise en charge est déjà envisagée. Nous avons beaucoup de confrères gravement malades. Il se trouve malheureusement que la situation financière que traversent les médias guinéens aujourd'hui est ce qu'elle est. Mais plus particulièrement, nous, les journalistes, vous comprenez, et puis vous fournissez les dossiers. Parmi ces dossiers, il y a un dossier médical, comme je l'ai dit. Et le principal critère, c'est ça, ça se joue là-bas. Parce qu'il faut que le médecin trouve que oui, son cas nécessite une prise en charge. Pour bénéficier de ce projet et d'autres allant dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des journalistes, le secrétaire général du SPPJ mise sur la convention collective et le soutien étatique. Comme je le disais, en réalité, on n'a pas voulu d'abord commencer la communication parce que le processus est là, mais il faut faire en sorte que l'État nous vienne en aide parce que nous faisons un travail de service public, nous rendons service à la nation, et quand un journaliste est malade, il mérite l'accompagnement de l'État.
On insiste à ce que la loi prévoit le syndicat. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et nous, on ne prend pas ça pour bouffer, pour mettre dans les poches. C'est pour le fonctionnement du syndicat et l'assistance aux professionnels des médias. Considéré comme un agent déclencheur, le journaliste Binani Ba est désormais évacué pour le Sénégal. Et il y avait un souci de documents de voyage, mais que le ministre Mori Kondé avait envoyé quelqu'un pour accélérer ce processus. Si tout va bien, il va voyager aujourd'hui. À en croire le secrétaire général de la presse professionnelle de Guinée. Dans les jours à venir, les hommes du média dans un stade de maladie avancée connaîtront une assistance issue du recensement allant du 5 au 10 décembre prochain, lancé par le SPPG. Autre facette de l'actualité, c'est le dégarpissement des occupants illégaux du chemin de fer de Kabeling qui a démarré ce week-end. Le directeur général de la police nationale était sur le site ce samedi pour sensibiliser les occupants de ce domaine. En attendant, les victimes plaident pour que l'État les trouve un autre endroit pour le marché. Simon-Pierre Lamou, Aboubakar Aboulari. Il était 8 heures ce samedi matin quand des pick-up de CMIS et des commissariats centraux de Koya, d'Apompa et Kagbélé ont débarqué sur le site du chemin de fer de Kagbélé pour le coup d'envoi du déguerpissement des occupants. Cette opération est pilotée par le directeur général de la police nationale. Abdoulaye Sampil a mis l'occasion à profit pour demander les propriétaires des kiosques et gargotes considérés comme des nids des bandits de libérer immédiatement les lieux, sans quoi la police sera dans l'obligation de casser tout pour la libération rapide des emprises des rails. Il y avait vente et consommation de l'alcool, le débit de boissons, qui constitue de facto le nid de grande criminalité. C'est la raison pour laquelle toute l'équipe de CMIS, le commissariat central de Koya, le commissariat central de Dapompa et le commissariat central de Breka, nous sommes engagés, n'est-ce pas, ce matin, à démanteler tous ces baraquements. Derrière l'état civil des Tobolons se trouve un nouveau marché en construction. Les containers nouvellement installés sont devenus des lieux de prostitution et de consommation de drogue. C'est pourquoi le seul souci des vendeuses est comment trouver un endroit pour leur petit commerce. Ici était devenu le nid des bandits. Il y avait beaucoup de criminalité. Comme on était en manque de place, raison pour laquelle on est venu nettoyer ici pour en faire un marché et nourrir les enfants. Nous voulons tout simplement que le président Doumbouya nous aide à avoir un marché. C'est avec la société Chemin de Fer qu'on a négocié ces places pour en faire un marché. Les gens avec qui on a négocié nous ont donné les papiers d'autorisation de s'installer. Mais si l'État a besoin, ils n'ont qu'à nous aider à trouver un autre marché. Selon le patron de la police nationale, ce déguerpissement continuera jusqu'au pont 8 novembre, en passant par Kosa pour minimiser, par exemple, des accidents ferroviaires. Information à l'Institut royal de police de Kénitra au Maroc. Les 60 policiers boursiers guinéens ont été accueillis ce week-end à Conakry par des cadres du ministère de la Sécurité. Ces policiers ont reçu des formations et pratiques sur le maintien d'ordre. Les récipiendaires se disent suffisamment outillés pour servir à la nation. Le directeur du service de coopération et de relations extérieures du ministère de la Sécurité a surtout salué le partenariat entre Conakry et Rabat. Aboubakar Oulari. Après 3 mois d'intense formation théorique et pratique, les 60 boursiers policiers guinéens ont regagné Conakry ce week-end. Fraîchement sortis de l'Institut royal de police de Kénitra au Maroc, ces commissaires et inspecteurs de la police nationale se disent suffisamment outillés et s'engagent à servir loyalement la nation tout en partageant les connaissances et expériences acquises avec les autres qui n'ont pas eu la chance de participer. Franchement parlant, nous avons appris pas mal de choses. Et pas mal de cours concernant le leadership, le management et ensuite de ces matières. Nous avons également suivi des cours de droit
pénal général, droit pénal spécial et droit et la procédure pénale. Et hormis cela aussi, nous avons suivi pas mal de coups concernant les renseignements généraux, la sécurité routière et tant d'autres. Donc cela nous a prouvé, et d'ailleurs, tout en accompagnant avec des simulations, je veux dire la pratique. Nous avons étudié la police judiciaire dans toute sa plénitude. Nous avons parlé de renseignements généraux, nous avons parlé de la sécurité publique et surtout la police aux frontières. Et également, nous avons parlé aussi de ce qu'on appelle l'enquête judiciaire en ce qui concerne la protection de la chaîne des crimes. Et d'ailleurs, je profite de votre micro pour remercier le président de la République, le chef de l'État, le chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Également, nos remerciements et reconnaissance vont à l'endroit de son Excellence, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le directeur du service de coopération et des relations extérieures du ministère de la Sécurité fait partie des cadres qui étaient venus accueillir ces boursiers. Il se réjouit tout simplement du partenariat qui existe entre Rabat et Conakry qui, selon lui, doit être consolidé davantage. La police compte sur vous à partir de l'instant. Vous êtes parti honorer la Guinée. Vous êtes parti honorer votre drapeau national, le tricolore, à l'étranger, notamment au Maroc. Merci beaucoup. Bon courage. Et c'est le lieu de saluer également le partenariat. Un partenariat avec un pays ami, notamment le Royaume du Maroc. Un pays, je ne cesserai de le dire, depuis la nuit des temps, œuvre pour le renforcement des capacités opérationnelles, non seulement des services de défense, mais aussi de la sécurité de la Guinée. La formation de ces inspecteurs et commissaires de police par l'Institut royal de police de Guinée-Tra était l'une des promesses du ministre Bachir Diallo. C'est pourquoi le patron de la police guinéenne s'est rendu au royaume chérifien pour assister à la remise des diplômes aux stagiaires. Organisée chaque année, la 4e édition des Victoires de la musique guinéenne approche à grands pas à Conakry. Cette initiative de l'agence Elitecom, prévue le 17 décembre prochain, est un événement grandiose qui met la lumière sur les meilleurs artistes guinéens de l'année. Pour cette année 2022, 25 trophées dont 25 catégories de nomination sont en jeu. Maimouna Kanom Kamara, Foudé Bakary, Dansoko. Les Victoires de la musique guinéenne est l'un des plus grands événements de l'année qui récompense les meilleurs artistes du pays. Depuis 2019, ce projet gigantesque qui magnifie le patrimoine culturel guinéen est désormais inscrit dans le programme culturel. C'est aujourd'hui la plus grande cérémonie de distinction des stars de la musique guinéenne. Ça met de la lumière et des feux de projecteur sur les artistes guinéens et sur leurs œuvres qui sont parues sur la saison culturelle au courant de l'année. Donc ce projet-là, vraiment, c'est un grand projet qui nous tient à cœur depuis 5 ans. Nous sommes aujourd'hui à la 4e édition, donc on a commencé la toute première édition en 2019. Mais bien avant, il y avait une réflexion qui avait été mise en avant pour pouvoir mettre en place le projet, ensuite passer à la phase d'exécution. Donc ça nous a pris à peu près 2 ans et demi pour construire le projet, ensuite lancer la toute première édition en 2019. Donc ce projet-là, aujourd'hui, c'est un projet majeur et on est vraiment très content que ce soit inscrit aujourd'hui dans l'agenda culturel guinéen. C'est dans l'optique de promouvoir la culture guinéenne à l'échelle mondiale que cette initiative, qui existe depuis 4 ans maintenant, a vu le jour grâce à l'agence Elitecom. Les Victoires de la musique guinéenne, l'objectif principal, c'est vraiment décerner des trophées, encourager les artistes guinéens dans leur création artistique, mais également renforcer les capacités des acteurs culturels guinéens à travers des séries de formations et des séries de masterclass qu'on les offre sur la semaine de la musique, mais également faire en sorte que la Guinée retrouve son passé glorieux culturel d'antan, parce que la Guinée est un grand pays culturel, un grand pays musical.
Cela a été démontré sur les années 60-70, où on a été vraiment les pionniers pour tout ce qui est orchestres nationaux en Afrique, les pionniers pour tout ce qui est production locale, production authentique et nationale. Donc aujourd'hui, la Guinée doit pouvoir revenir sur le devant de la scène internationale musicalement. C'est pour ça, vraiment, nous sommes dans ce élan. Au total, 25 catégories de distinction, dont 25 prix, seront décernés aux meilleurs artistes de l'année 2022. Mais attention, il y a 11 critères d'éligibilité. Mais par contre, il faut retenir qu'il faut déjà, au prime abord, être de nationalité guinéenne, avoir une œuvre majeure sur l'année ou sur la saison culturelle à partir du 31 août au 2 septembre de l'année suivante. Et ensuite, créer une œuvre artistique qui revendique une identité culturelle guinéenne ou qui est à fond dans l'identité culturelle guinéenne. Donc ça, c'est entre autres les critères, sur les 11 critères. Également, les victoires de la musique guinéenne n'acceptent pas de plagiat. Les reprises, oui, mais les plagiats, non. Également, il faut vraiment que l'œuvre soit authentique, plébiscitée par le public, plébiscitée par les acteurs culturels, donc la chaîne culturelle de la filière musique. Et voilà. Bouba Angelo, directeur général de l'agence Elitecom, mais aussi responsable des victoires de la musique guinéenne, apporte des précisions sur les nominations et profite de l'occasion pour remercier et souhaiter bonne chance à tous les nominés de cette année. Les victoires de la musique guinéenne ne récompensent pas toute la carrière d'un artiste, c'est une performance artistique sur l'année, sur la saison culturelle. Donc si cette année tu n'es pas nominé, ça veut dire que l'année prochaine, tu peux être nominé. Si tu fais une œuvre étincelante qui est plébiscitée par le public, ça peut être nominé. Donc, et c'est graduel, c'est continuel. Donc, bon courage ceux qui ne sont pas nominés cette année, mais c'est sûr que l'année prochaine, ils peuvent faire partie de la liste des nominés. Et grand merci à tous les artistes qui sont nominés cette année, qui font le jeu. Parce qu'il faut le reconnaître aussi, aujourd'hui, nous avons à peu près 99% de participation des artistes nominés sur les réseaux sociaux. La grande cérémonie de récompense et de distinction des stars de la filière musicale guinéenne est prévue le 17 décembre prochain à l'hôtel Kaloum. C'est la fin de cette édition d'information qui a été réalisée par toute l'équipe technique et rédactionnelle de Guinebuzz. À tous, merci de l'avoir suivi. Les informations continuent sur Guinebuzz TV. À très bientôt. Au revoir. Morning, this is Imano Bamba here on the island of Kasa in Conakry, and I am now with Guinebuzz, where everything about Guinea happens. It is a company that is promoting our country, Guinea. So I invite all of you to check Guinebuzz out on YouTube, Facebook, Instagram and Twitter. Thank you. Bonsoir, c'est Marie-Mariam Camara, une grande fan de Guinebuzz. Guinebuzz, c'est là où ça se passe. Restez connectés. Merci. L'on dit souvent que le salut n'est pas le respect de la vertu, mais la vertu elle-même. Par ces mots, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre tribune citoyenne. Parmi les causes qui menacent notre planète se trouvent la pollution et la dégradation de l'environnement. Pour le cas précis de la Guinée, les bordures de mer sont bondées d'ordures. Le repos forestier n'est pas souvent respecté. Le cadre de vie est pour la plupart du temps malpropre et les mesures de réhabilitation après exploitation minière ne sont pas souvent appliquées. Ce constat fonde l'interrogation d'aujourd'hui. Si vous étiez ministre de l'Environnement, qu'auriez-vous fait pour changer la donne ? Alors, Monsieur Barry, si vous étiez ministre de l'Environnement, quelles seraient les solutions que vous auriez proposées pour lutter contre la dégradation et la pollution de l'environnement en République de Guinée? Bon, c'est vrai que je ne suis pas un spécialiste en environnement, mais je pense que si moi j'étais le ministre de l'Environnement, en fait, j'allais créer toutes les conditions pour entretenir
Ici, par exemple, le lac que vous voyez devant vous ici, c'est un lac vraiment extraordinaire, qui pouvait même créer des business économiques. Mais le seul problème, c'est que ce n'est pas entretenu. Il n'y a aucun entretien. Ça ventile très bien, sauf peut-être que ceux qui vendent les petites fleurs qui sont là, qui se débrouillent un peu avec des maigres moyens pour l'entretenir. Sinon, comme vous le voyez déjà, on pouvait profiter par exemple de ce lac pour créer beaucoup d'autres activités économiques. Vous comprenez? Et franchement, ce n'est pas facile comme ça. Le ministre de l'Environnement, dans les conditions normales, doit sillonner, visiter ici par exemple au lac, jusqu'à l'intérieur du pays, et essayer de trouver des dispositifs, parce qu'il y a de ces machines qui sont spécialisées pour le nettoyage par exemple. Le nettoyage, l'entretien, on peut même profiter de ça pour créer beaucoup d'autres choses pour la jeunesse, ainsi de suite. L'autre question, c'est aujourd'hui on parle souvent de repos forestier, mais les gens continuent à couper les bois et les gardes forestiers, les agents d'eau et forêt se plaignent de ne pas avoir les équipements nécessaires pour se déplacer, aller protéger ces zones classées-là. Vous, en tant que ministre, est-ce que vous auriez tout mis à leur attribution? Bon, moi, à mon avis, je pense qu'il y a un manque de sensibilisation en République de Guinée concernant la déforestation. Parce que nous savons tous que quand on détruit la forêt, et ce qui s'ensuit, je n'ai pas beaucoup d'explications au-delà de ça, mais ce qui reste clair, la meilleure des choses, c'est de sensibiliser, surtout dans les villages. Le charbon de bois, les madriers, ainsi de suite. Il faut passer par une sensibilisation totale pour faire comprendre aux gens, surtout dans les villages, que les coupures de bois pour le charbon, ainsi de suite, entraînent beaucoup de conséquences. Des conséquences désastreuses même. Pas pour la Guinée, plutôt pour la planète. Bon, je pense qu'il faut passer par une sensibilisation vraiment très rigoureuse aussi. Il faut faire comprendre aux gens, parce que les gens ne sont pas informés. Quand on coupe les bois, quand on néglige les marigots, les fleuves, et ainsi de suite, les conséquences sont très désastreuses. Ça, ce n'est pas pour une personne, ni pour deux personnes. C'est pour la planète entière. Alors, Madame Dramou, si vous étiez ministre de l'Environnement, quelles seraient les solutions que vous aurez proposées pour lutter contre la dégradation et la pollution de l'environnement en République de Guinée? Ok, moi en tant que ministre de l'Environnement, je proposerais déjà qu'il y ait une réglementation qui luttera contre la coupe abusive des bois. Parce qu'avec la fabrication du charbon et tout ce qui s'ensuit, on trouve qu'il n'y a plus assez de forestation. Et avec la pollution de l'environnement, ce n'est pas chose aisée. Du coup, cela dégrade de plus notre environnement. Avec le réchauffement climatique qui s'ensuit et la chaleur agressive, ce n'est pas chose aisée à vivre. Du coup, je proposerai de blâmer tous ceux qui iront à l'encontre des règles mises en place pour la conservation de la zone forestière. L'on remarque aujourd'hui qu'il y a quand même un code de l'environnement, il y a un code forestier, mais au-delà de ces réglementations-là, ça ne va pas. Donc on est en droit de se demander où le bât blesse. Et l'autre question, c'est que lorsque nous prenons les bordures de mer aujourd'hui, on retrouve qu'il y a des ordures un peu partout. Et la construction anarchique également, il n'y a pas de l'air qui rentre. Maintenant, vous, en tant que ministre de l'Environnement, qu'auriez-vous proposé? C'est ça. On trouve qu'il y a un manque de civisme de la part de chacun. Donc, en tant que Guinéen, il ne faut pas voir que l'intérêt personnel. Il faut mettre la Guinée en avant. Donc, il ne faut pas se dire que je le fais pour moi, mais pour la Guinée. Donc, chacun doit être animé d'un esprit patriotique afin de bien mener notre pays. Sinon, ce n'est pas facile. La toute dernière question, c'est que aujourd'hui, on a des agents d'eau et forêt qui veulent bien sûr faire leur travail, mais qui se plaignent parfois de moins de déplacements parce qu'ils ne peuvent pas aller à des kilomètres pour couvrir ou protéger ces zones classées-là. Maintenant, vous, en tant que ministre, qu'est-ce que vous auriez fait pour leur alléger la tâche? Il faut que le ministre les accompagne avec des équipements
pour les faciliter la tâche parce qu'on trouve qu'il y a l'ambition là, mais il n'y a pas de moyens. Donc il faut renforcer ce côté-là afin de les équiper. Votre mot de la fin. Bon, je dirais merci de m'avoir choisi afin de participer à cette émission parce que j'ai donné mon point de vue et je suis sûre que ça pourra améliorer quelque chose sur ce côté. Alors, Monsieur Kaba, si vous étiez ministre de l'Environnement, quelles seraient les mesures que vous auriez prises pour protéger l'environnement, surtout guinéen? On voit la plupart du temps, notre cadre de vie n'est pas assez propre, les bordures de mer sont bondées d'ordures, le respect forestier aussi n'est pas respecté. Maintenant, vous, en tant que ministre de l'Environnement, quelles seraient les solutions réelles que vous auriez proposées pour protéger l'environnement de la République de Guinée? D'accord. Tout d'abord, merci pour cette opportunité, parce que de nos jours, l'environnement, le sujet de l'environnement, c'est l'un des sujets qui reviennent le plus. Je m'en vais vous dire une citation de Pierre Rabhi qui dit ceci, que notre destin, c'est-à-dire notre vie est indissociable de la vie de l'environnement, alors arrêtons de nous croire supérieurs ou en dehors de l'environnement. Donc du coup, sur ce, chaque personne a une responsabilité morale envers cet environnement. Donc du coup, en tant que ministre de l'Environnement, je viendrai avec des projets. Présentement, j'ai des projets qui sont liés à l'environnement, tels que voilà, et la mobilisation de toutes les couches sociales, à savoir quel qu'en soit l'imam, prêtre, enseignant, mécanicien et autres. Donc du coup, mobiliser toutes ces personnes-là donc, autour d'une chose. Donc, à savoir la sensibilisation pour la protection de l'environnement. Toutes ces personnes-là sont des acteurs majeurs. À savoir, par exemple, un prêtre, il prêche à l'église, par exemple. Donc, du coup, protégeons l'environnement. Il y a une structure qui est là, où il y a une ONG qui est là, où le ministère a ouvert une activité à ce que tout un chacun puisse y participer pour la protection de l'environnement. Les imams font ainsi, les mécaniciens, les ateliers, les enseignants font ainsi dans les différentes écoles. Je crois que ça va réunir toutes les couches sociales au sein d'une même entité, donc du coup pour pouvoir pallier au mal dont souffre l'environnement guinéen aujourd'hui. L'autre question, c'est, vous avez parfois des agents d'eau et forêt qui se plaignent. C'est vrai, on les a recrutés, mais ils n'arrivent pas vraiment à mettre un contrôle parfait sur l'espace forestier. Alors on se dit, ils se plaignent souvent, ils disent qu'ils n'ont pas d'engin parce que pour aller protéger ces zones classées, ces forêts classées, il faut des motos, il faut des voitures. Maintenant, vous, en tant que ministre de l'Environnement, qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous aurez mis les choses à contribution pour vraiment leur alléger la tâche dans leur travail? Exactement, parce que là, tout d'abord, les agents des eaux et forêts, qui sont des personnes nobles et responsables, voilà, donc du coup, qui, en quelque sorte, qui se sacrifient pour le bien de tous. Et aussi, ils contribuent activement à la protection climatique du pays. Donc du coup, sur ce, il faut les outiller. Donc du coup, si on veut que, par exemple, prenons un exemple sur un journaliste qui n'est pas outillé, donc du coup, c'est pas pratiquement un journaliste. Un journaliste aussi doit être informé, n'a pas droit à la parole celui qui n'est pas informé. Donc du coup, n'a pas droit à être agent des eaux et forêts, celui qui n'a pas les matériaux nécessaires pour s'appliquer dans cette tâche-là, pour faire ce boulot. Donc du coup, en tant que ministre de l'Environnement, je les outillerai le mieux que possible afin qu'ils puissent en quelque sorte nous sauver. Du réchauffement climatique en quelque sorte. La toute dernière question, est-ce que selon vous le code forestier est respecté en République de Guinée? Non. Et vous en tant que ministre, qu'auriez-vous fait pour que ça soit appliqué? Voilà, parce que là pour le moment, tout premier temps d'abord, il faut une révision du code environnemental en général en Guinée d'abord. Du code de l'environnement. Oui, du code de l'environnement. Et du code de l'environnement plutôt en général en Guinée, donc afin que oui,
toutes les couches, que ce soit eau et forêt et autres, donc puissent mieux se sentir à l'aise dans l'application de leur exercice. Alors, monsieur Ismaël, si vous étiez ministre de l'Environnement, quelles seraient les solutions que vous aurez proposées pour lutter contre la dégradation et la pollution de l'environnement en République de Guinée? Ok. Si j'étais ministre, les mesures que je devais prendre pour protéger l'environnement ou bien la sauvegarde de l'environnement, devons d'abord savoir c'est quoi la protection de l'environnement. Okay. La protection de l'environnement consiste à prendre des mesures, idéwan, pour éliminer ou éviter l'impact néfaste sur l'activité humaine sur cette terre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les citoyens qui sont à la cause principale de la dégradation de l'environnement. L'environnement est la source de toute forme de vie sur cette terre. Pour cela, il faut d'abord que nous prenions des mesures quotidiennes pour la protection de l'environnement. Au niveau des ménages, s'il s'agit encore des gens roulants, réduire encore l'exportation des voitures usées. Parce que les voitures usées encore causent beaucoup la dégradation de l'environnement. Ah oui. L'autre question, c'est, on constate aussi une coupe abusive des bois. C'est vrai que le repos forestier n'est pas souvent respecté. Vous, en tant que ministre, qu'auriez-vous fait pour que cela soit respecté? Nous devons faire une sécurité pour savoir les bois que nous devons déboiser. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les médicaments que nous utilisons pour se soigner, c'est à travers la biodiversité que nous essayons d'avoir des médicaments. Maintenant, pour cela, il faut savoir les points clés que nous devons déboiser pour faire encore une sensibilisation de reboisement par an. Alors, M. Kourouma, si vous étiez ministre de l'Environnement, quelles seraient les solutions que vous auriez proposées pour lutter contre la dégradation et la pollution de l'environnement en République de Guinée? Ok, merci pour votre bonne question. Pour répondre à cette question, ma première solution est que l'assainissement d'abord. Comme déjà on a une structure en place qui lutte contre la pollution, en même temps aussi l'insalubrité, qui a vraiment impacté dans notre zone qui est 36, qui a assaini une partie du marché de 36, en même temps aussi notre entourage, et en même temps aussi l'université de l'ISAF qui se trouve à Farana. Là, il va se lutter contre ces ordures pour bien occuper de notre nature. Alors l'autre question, c'est vrai, il y a déjà des structures qui nettoient nos rues, on les observe. Mais lorsqu'on prend par exemple les bordures de mer, les plages, ces endroits-là sont bondés d'ordures. Et vous, en tant que ministre, qu'est-ce que vous auriez proposé? Et aussi, il y a aussi une construction anarchique au niveau des bordures de mer. Et il se trouve que l'air doit rentrer à l'intérieur de la ville. Et ça aussi, ça ne respecte pas le code de l'environnement. Maintenant, vous, en tant que ministre de l'Environnement, qu'auriez-vous fait? Ok, à ce niveau aussi, nous allons améliorer, en même temps aussi lancer une sensibilisation pour sensibiliser les populations qui se trouvent à ce niveau pour faire déplacer, pour que avoir des espaces, pour avoir une air bonne pour la population. À ce niveau, il faut qu'on écrite des zones dynamiques, en même temps aussi déplacer le lieu des ordures qui se trouvent au beau milieu de Conakry, envoyer un lieu qui sera loin de notre capitale. Monsieur Doumbouya, si vous étiez ministre de l'Environnement, qu'auriez-vous fait pour lutter contre la dégradation et la pollution de l'environnement en République de Guinée? Au fait, quand vous savez, la question environnementale, c'est relève d'une prise de conscience qui est aussi consécutive à l'opinion de la population, quoi. Donc de la sensibilisation, quoi. En fait, quand vous me posez, en tant que responsable de ministère de l'Environnement, je dois d'abord tenir compte des gens compétents, les personnes compétentes qui ont suivi la formation au niveau de l'environnement pour venir s'améliorer
l'environnement de leur pays. Et aussi avoir des équipements pour l'amélioration de l'environnement. Quoi. Alors, l'autre question, c'est vrai que de nos jours, on voit que la ville est assainie avec des camions qui passent pour le ramassage des ordures. Mais ce qu'on remarque, c'est que les bordures de mer, les plages sont en marge de cela. On n'a plus de bel endroit où aller se récréer, surtout les plages, on ne retrouve que des ordures. Et il y a aussi une construction anarchique. Maintenant, vous, en tant que ministre de l'Environnement, qu'auriez-vous fait? En tant que ministre de l'Environnement, il faut d'abord avoir des initiatives pour qu'on puisse fabriquer des ordures là. Puis quand on ne peut pas jeter les ordures si on n'a pas de place. D'abord, il faut avoir des initiatives, avoir des usines qui peuvent fabriquer des ordures là pour les transformer, quoi, pour les transformer en des produits qui peuvent être aussi, qu'on peut les utiliser autrement. Par exemple, quand on prend des caoutchoucs comme ça, on peut les fabriquer, on peut les transformer en des produits pour être utilisables. Comme ça, on doit avoir aussi des matériels pour ça. Un penseur disait que la lutte que l'homme a entamée contre l'environnement, s'il arrivait à gagner, il aurait perdu lui-même. Alors faisons en sorte de protéger cet environnement qui nous est tant cher. Chers téléspectateurs, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de « Et si c'était vous ?». Restez connectés sur Guinée Buzz, c'est là où ça se passe. Kamara Fatoumata, je fais pelage. Donc, pelage, je l'ai appris au CAF, Cameroun. Donc, on nous a appris beaucoup de choses, telles que les chaussures, les nappes, les pots de fleurs, les broderies sur les habits, les sacs. J'ai fait 4 ans au CAF et j'ai appris une certaine connaissance qui m'ont permis de travailler à mon propre compte. Et actuellement, je fais beaucoup de choses, telles que des chaussures, des sacs, des pots de fleurs, des nappes. Donc, sans l'aide de quelqu'un, je peux travailler moi-même. Je dirais à mes collègues femmes de ne pas rester à la maison, de venir travailler, car c'est le travail qui paye. Il n'y a pas un sous-métier. Donc, quand tu apprends un métier, tu seras indépendant. Tu pourras aider ta famille, te soutenir toi-même. Et même si tu as un mari, tu pourras lui aider aussi à faire des dépenses. My name is Sierra Kante. I think Guinea Buzz is actually a very cool, creative way to show the young generation in Guinea what is going on, what is hip, what is in. So I definitely like everything that Guinea Buzz has going on, and I hope that you guys continue to do what you're doing. Guinea Buzz, c'est là où ça se passe.